Pour comparer deux fractions avec les mêmes dénominateurs, la plus grande est celle qui comporte le plus grand numérateur. Très simple, logique, jusque-là, pas de soucis. Mais attention, ça se complique. Est-ce que tu vas suivre? C'est par ici. Car si il y a partout les mêmes numérateurs, la plus grande sera celle qui comporte le petit dénominateur. Et si il y a des nombres différents en haut et en bas, alors tu dois remettre tous sur le même dénominateur. Les comparaisons de fractions nous prennent la tête chaque année. Mais maintenant ça va changer si tu retiens cette chanson. Oh, tu seras le champion.